Et salut à tous, c'est CubeGaming et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Minecraft Server. Et j'espère que vous allez bien, moi j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, je suis très content. Car cet épisode là, on va acheter mon premier spawner, enfin du moins le premier spawner du serveur. Attendez, j'augmente ma luminosité, hop là voilà, comme ça je vois un peu plus clair. Bon, alors du coup on va pouvoir acheter le premier spawner du serveur. Donc je vais vous montrer un peu comment je vais fonctionner par rapport aux achats des spawners. J'ai mis des plaques de pression. Je vais vous montrer aussi des petites nouveautés que je fais de à droite à gauche. Je suis en train de préparer un truc justement pour le spawner. Donc j'ai un peu décoré la maison. Mais ça a aucun rapport avec le spawner. C'est par rapport à ce qu'il y a derrière chez moi par contre. Ici, je commence à préparer une ferme à canne à sucre automatique. Donc bon, ça, je la terminerai comme vous l'avez vu. Je fais des lives, mais sauf que bon, vous l'avez vu aussi, c'est un peu problématique parce qu'on n'entend pas le son de Twitch, mais on entend le son YouTube. Donc c'est un peu problématique. Attendez 2 secondes. Donc oui, on n'entendait pas le son Twitch, mais on entendait le son YouTube. Par chance, heureusement, on entendait le son YouTube parce que bon. Je préfère ne pas entendre le son Twitch que le son YouTube. Donc cette ferme automatique fonctionnera très très bien, aura une productivité tellement abusée que des gens trouveront ça un peu abusé. Moi je dirais non. Donc hop là, on commence un peu à placer les trucs, ça m'évitera de galérer dans le futur. Donc je fais un peu ça devant vous, comme ça vous voyez un peu comment ça fonctionne. Après j'achèterai mon spawner. Je vais pas le mince, comment ça, comment dire, le mince, je vais pas le poser maintenant, bien sûr. Je vais d'abord faire la salle, sûrement, et après ensuite je commencerai enfin à l'utiliser et à le poser. Hop là. Donc désolé, je me concentrerai un peu. La salle du spawner que je ferai sera sûrement, je la ferai sûrement en live. Donc oui, tous les trucs un peu agaçants, construction, enfin c'est pas la réelle construction, mais un peu comme... Ah oui, mauvais sens. C'est un peu de la construction, une salle à spawner. Mais en même temps, c'est pas réellement une construction. Alors oui, en plus, je me suis posé une question. Parce que... j'ai trouvé un spawner. Et je me suis posé la question de est-ce que je ferais en même temps un système pour déplacer les spawners Vania, donc pas ceux du Nether bien sûr, pour éviter que bon les gens ils piquent tous les spawners à Blaze et du coup les gens ils peuvent plus les utiliser. Mais je veux dire par exemple j'ai trouvé un spawner Vania, je l'ai trouvé légitimement. Donc je me suis posé la question de est-ce que je ferais pas un système de shop, enfin de déplacement de spawner, c'est-à-dire pour quelques diamants vous pourrez déplacer un spawner à n'importe quoi, mais genre zombies, squelettes, araignées ou quoi que ce soit pour quelques diamants. Et aussi un système de, bah, par exemple, votre spawner, vous l'avez placé au mauvais endroit. Hop, pour quelques diamants, hop, je peux vous le déplacer. Alors ça coûtera moins cher, je présume, ça paraît logique, mais ça coûterait moins cher de le... un spawner que vous avez déjà acheté qu'un spawner normal. Donc je me tâte à faire un truc comme ça parce que franchement si je commence à faire un système de on peut déplacer des spawners, ça peut soit être cool. Donc je vous pose la question. Donc soit vous trouvez ça trop abusé, vous dites non, franchement non, vaut mieux acheter un spawner et tout en farmant des diamants. Mais par contre l'idée de si t'as acheté un spawner et que tu l'as posé au mauvais endroit, ça c'est pas mal.
Ou si justement, si vous trouvez ça une très bonne idée, vous vous dites, bah ouais, en vrai, c'est cool, ça évitera que, bon, si t'as pas trop les moyens, mais en même temps, tu vois. En fait, c'est abusé, mais en même temps, pas trop. Parce qu'il faut déjà trouver soit le spawner. Bon, en vrai, ça, c'est pas très compliqué non plus. Bah, maintenant, avec les nouvelles grottes, si, quand même, c'est un peu moins simple. Mais par contre, avec les. Comment ça s'appelle? Ah zut. Faut que j'aille chercher une poudre d'os. Je vais la mettre là. Là, j'ai dit. Donc le truc, c'est que c'est un peu abusé parce que, bon, en vrai, c'est pas non plus trop compliqué de trouver un spawner, mais en même temps, si. Mais en même temps, c'est du style, bah ouais, tu t'as même pas acheté un spawner qu'un gars s'est déterminé à farmer des diamants. Le gars, il déplace juste son spawner. Et puis du coup, bah le gars, en fait, il a juste à trouver des spawners à l'infini, à les déplacer parce que vu que ça coûte moins cher et tout, bah, c'est plus rentable. Et dans l'autre sens, c'est franchement, c'est cool parce que si t'as pas trop les moyens et que t'as galéré quand même, hein, en vrai, c'est quand même une galère en trouver un spawner Vanilla, parce que avec les nouvelles grottes et tout, c'est un peu agaçant. Mais en même temps, c'est quand même abusé. Donc voilà, vous me dites ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est pas une si mauvaise idée. Soit je fais en sorte que ça dépend le spawner. Voilà, ça dépendra des prix. Sinon, ouais, non, c'est trop abusé. Et puis, non, du coup. Alors, le truc, c'est que je me souviens plus totalement de tout. Ah, si, c'est comme ça. Alors bon, ça sera nettoyé, hein. Je rends ça un peu plus propre. Donc on va tester voir si ça fonctionne. Alors il me faut de la redstone. J'en ai gardé un peu. Nickel. Attends, et si je fais... Ah c'est bon, nickel. Mince. Ok. Ça fonctionne. C'est nickel. Et maintenant, alors ça va être le problème numéro B. Ah. Comment j'avais fait moi? Attendez, parce que je me souviens plus totalement de comment j'avais fait. Ah oui, c'est vrai. En fait, j'ai crafté des escaliers pour rien. Oh, j'ai crafté des escaliers pour rien. Ah mince. Ah, oh, je suis bête. Ah, oh, totalement idiot. J'ai crafté des escaliers pour rien du tout. Parce qu'en fait, ce qu'il me faut, c'est des panneaux. Ouais, il me faut des panneaux. Ah. 9. Ouais, en fait, j'en aurais pas assez. Ah. Et j'ai plus de bûches. Parce qu'en fait, le truc, c'est que pour accéder à dispenser. Attendez. Non, ouais. Je mets un panneau là-dedans. Ouais, mais du coup, ça va couler là. Ouais, ça va couler. Allez. Hop là. Ah oui, mais mince, je suis en train de faire une bêtise, moi. Alors.
Tac. Tac. Ok, on va voir ça. Attendez, phase de test. Hop là, voilà. Donc en fait le système c'est ça, c'est des panneaux pour bloquer l'eau et moi comme ça en fait je peux accéder au distributeur, mettre la poudre d'os, cliquer sur un bouton, puis le bouton fait... Attendez, que je me trompe pas. Voilà, en fait il active ça qui permet de... Alors je l'ai peut-être mis trop parce qu'en fait ça n'activera pas. Ouais si voilà, c'est bon. Donc je vais vous montrer un exemple concret. Donc on va pas en mettre trop parce que j'en aurais peut-être besoin d'autres. Voilà, on va en mettre 16. Et là on va mettre 16. Donc c'est un système automatique jusqu'à qu'il n'y a plus de poudre d'os. Regardez-moi ça. Alors, ça n'a pas marché. Ah oui, mais non. Je sais pourquoi ça fonctionne pas. Bah oui. Et voilà. Donc le système est un peu tout bête. C'est plutôt très rapide. Enfin, ça coûte quand même quelques ressources, mais... Ah. Voilà, le système est plutôt bien. Ça fait un peu de redstone pour une fois, voilà, sur la vidéo. Tac. Donc... faudra que j'aille couper encore plus de bois. Et en plus, j'ai même pas pu finir mon étage. Je mets plus de torches aussi. Ah, pas trop tard. Il fait jour. J'ai ma hache. Faudrait que j'achète le spawner maintenant. Ouais. Est-ce que j'ai mes commandes? Oui, c'est bon. J'ai mes commandes activées. Je vais chercher des diamants. Faudrait que je me fasse sûrement une poubelle comme ça si dans le futur j'ai d'autres diamants. Donc pour spawner à squelette, bon c'est parce que bien sûr c'est le spawner à squelette qui nous intéresse le plus. Pour le spawner à squelette, il me faut 120 diamants. Alors, ça, on n'y touche pas. Et là on va arrondir à 40. 40, on enlève 2. 60 plus 60, 120. 120 diamants. Il me restera donc 2 diamants. Alors, est-ce que... Je vais mettre directement... Alors, je vais vous montrer, hein, comme ça, vous voyez... Bon, moi, vous, quand vous demanderez des spawners, je vous ferai slash give, machin et tout. Mais moi, vu que j'ai un peu la flemme de me faire slash give... Créative... Donc je vais me mettre en créatif, récupère un spawner. Voilà. Ok, alors. Tac 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 tac. Alors un spawner, un spawner, un spawner. Donc, un. Pourquoi ça n'a pas marché? Non, ok. Ok. Donc, un spawner. Donc, vous voyez bien, je jette mes diamants. Alors, squelette. Spawner. Bas. Squelette. Donc, vous voyez bien, j'ai acheté un spawner à squelette. Maintenant, je me remets en slash survie. Slash game mode. Mince. Game. Non. Quoi? Ah, gamme mode. Mince. Mode survival. Voilà. Et voilà. Donc c'est bon. Tout le monde. Voilà. Donc maintenant j'ai acheté mon spawner. Tac, 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 tac. Bon bah faut pas que je le pose parce que sinon Mais voilà, donc j'ai bien, comme vous voyez, acheté mon spawner avec les squelettes. Je le poserai quelque part, peut-être dans l'un des quatre coins cardinaux.
Donc je me ferai une belle salle avec de quoi poser quelques spawners. Comme ça on sera tranquille. Je vais le poser dans un coffre, comme ça vous vous saurez pas, et puis moi comme ça je saurai, et puis comme ça personne pourra me le piquer pour l'instant, mais je pense que je vais très vite faire une salle, soit je le fais solo, soit je le fais en live. Voilà. Donc je vais le poser. Voilà, donc c'est bon. Rangé. Revenons par rapport au live de la dernière fois. Donc c'était samedi dernier. Moi pour moi c'était samedi hier. Mais pour vous c'était mercredi. Là on est mercredi pour vous. Donc ouais c'était samedi dernier. J'ai beaucoup beaucoup discuté même après la vidéo par rapport justement à la série One Block et Minecraft Modé. Je vous ai expliqué pourquoi je faisais plus réellement de vidéos dessus. Franchement, ça arrivera bientôt, je pense, mais il me faudra vraiment un temps d'adaptation parce que ça va me brusquer un peu, je trouve, parce que je passe du multijoueur à du solo. Enfin, justement, avant, je passais du solo en multijoueur, c'était très déjà incroyable pour moi. Et si je repasse sur du solo, même si là je suis tout seul, j'ai quand même la sensation d'être on est toujours plusieurs. Car il y a toujours Lumix, il y a Poppy Gaming, bref, il y a pas mal de gens qui jouent. On est peut-être 5 ou 6 à jouer au serveur, il me semble. Donc c'est quand même pas mal, je trouve. Et en plus, vous pouvez rejoindre, c'est sur Bedrock. C'est tout le temps la nouvelle version. Donc c'est mobile, PC, après les Twitch, les Switch, pardon. Et console, je sais pas du tout comment vous faites pour rejoindre un serveur Aternos. Et voilà. Donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez rejoindre. Faut juste rejoindre mon serveur Discord. Si le lien n'est plus actif dans À propos, bah, vous me le demandez. Moi, je vous renvoie un lien Discord de mon serveur où justement il y a le port et l'adresse IP du serveur. Et puis vous pouvez rejoindre et tout. Venir me rejoindre, jouer avec moi. Bref. Même des fois, si vous êtes là et que je fais un live, bah, vous serez là et tout, vous voir en direct. Bref, donc quand même, j'aime beaucoup cette idée de mon idée. Et franchement, j'ai pas envie d'arrêter. Donc Minecraft Server, ça va rester pendant un très long moment. Mes autres seront en pause pendant aussi un moment. Je suis pas prêt de retourner sur du solo pour l'instant. Je suis trop. Voilà. Merci Minecraft pour la petite musique. Ah, aussi, j'ai créé un jukebox. Juste pour le plaisir. Mais bon, j'espère que l'épisode vous aura plu. Moi, j'ai bien aimé parce que franchement, acheter un spawner, ça c'est cool. Donc, je ferai la salle, commencerai déjà à tuer pas mal de squelettes. Si vous commencez à me voir niveau 50 ou 60, vous étonnez pas. Bon, je liveerai sûrement pour faire 2-3 petites AFK de tueurs de squelettes. Bref, on verra. Bon, bah, j'espère que l'épisode vous aura plu. Moi, j'ai trouvé ça génial. On se retrouve dans le prochain épisode. Ciao, ciao!